sais que j'ai acheté des chihuahuas. Pour faire plaisir à votre fils. Ouais, à ma fille d'abord. À votre fille. À ma fille. J'en ai acheté un qui est le, comme celui de Magloire, à poil ras. Qui a des oreilles comme ça, parce que par rapport à nous, si nous on était des chihuahuas, on aurait des oreilles comme ça. Alors, je voulais l'appeler Dogzilla. Les enfants n'aimaient pas. Je voulais l'appeler Hot Dog. Ils aimaient pas. Et finalement, on l'appelait Super Chien. Super parce chien. Que Super Chien, c'est un personnage que je leur fais quand je vais en vacances avec eux. Je leur fais, ils sont là, papa, fais Super Chien, fais Super Chien. Non. Bonjour, je suis Super Chien. Tu vois, et ça, ça les fait rire depuis toujours. Oh, bonjour, c'est Super Chien, je suis très content. Je m'appelle Super Chien parce que je suis un chien et que je suis super. Enfin, voilà. Donc, ils ont voulu appeler le chien Super Chien. Et donc, celui-là, il va très bien, Super Chien, avec ses oreilles. Et l'autre meurt. Déjà, un, t'imagines mon fils, c'est celui de mon fils. Le chien meurt. On en prend un autre. C'est pas toi? Non. Théa. Théa. C'est super. Voilà. Non, je sais. Non, c'est une maladie, la parvo, je sais pas quoi. Non, on va pas changer de âge. Réappuie. Lâche. T'aimes les chihuahuas, Stéphane? Oui. C'est bon, un chihuahua. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Chabrol. Chabrol et Briali. Au quatrième étage, messieurs. Merci. Merci. Le chihuahua, c'est génial, parce que c'est un chien aztèque. Ah, je sais pas. C'est un chien qui a 3000 ans d'existence. Et c'est une petite boule de tendresse, tu sais, tu le tiens comme ça, c'est un petit chien. C'est une boule de tendresse. Et puis, beaucoup d'humour aussi, le chihuahua, beaucoup d'humour. Donc voilà, donc il y a un chihuahua qui est chez le vétérinaire. Transfusion de sang, chimiothérapie. J'y crois pas trop, mais là. Mais si, c'est vrai. Chimiothérapie, hein. Et il y a un autre chihuahua qui va super bien, qui s'en fout, qui se fait chouchouter par tout le monde et tout. Mais c'est génial, hein, vraiment. Attention. Ah, vas-y. Hop. Ah, c'est très bourgeois, hein, comme... Ah oui, oui. Comme univers, hein. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a qu'une porte, on ne peut pas se tromper. D'ailleurs, le caniche. T'aimes les caniches, toi, Gilles? Non. Non, pas trop. Moi, j'aime pas tellement les caniches. Je suis pas très caniche. Je passe le premier parce que oui. je crois que je suis plus vieux. Je suis plus âgé que moi. Oh là 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 là. Alors, mon cher ami, bonsoir. Je ne suis pas venu sans biscuit, c'est des pieds de cochon. Alors, il faut des pieds de cochon. Des pieds de cochon. Ouais, heureusement que c'est pas caché ici, ça bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? On n'est jamais sûr de ce qu'on trouve. Des pieds de cochon. Vous allez bien? Bonsoir, monsieur. Merci, monsieur. C'est très chic aussi, ici. Tiens, assieds-toi. Bonjour, chef. Assieds-toi, Jean-Claude. Bonjour, chef. Vous allez bien? Bonjour, très bien. Vous allez bien, chef? C'est vous qui faites la cuisine ce soir? Oui, c'est moi. Ah, il faut toujours être très gentil avec le chef. Il faut être très gentil avec le chef. Surtout qu'il est très mignon, ce petit chef, en plus. Non, les gars, s'il vient à la cuisine. La cuve des gens, oui, c'est une bonne chose. Alors, un petit peu de champagne. On va porter un toast à votre, oui. À votre film, au beau Serge. Eh bien, Jean Carmé. Jean Carmé d'abord. Alors. D'abord à Jean Carmé. D'abord à Jean. À Jean. Voilà, c'est ça. Et à ce vieux film qu'on avait fait ensemble, le beau Serge. Le beau Serge des Godelureaux. On a fait le beau Serge des Cousins. Les Cousins, avant, les Godelureaux, Lavardin, et t'en oublies un. Ah. Qu'est-ce qu'on a fait ensemble? C'est bien la peine. Les 7 péchés capitaux? Voilà. Bon, hey, regarde. Dîner les 7 péchés capitaux. Ah, ouais. Comment vous l'aviez connu pour faire le beau Serge? Alors, au départ, je crois que c'est Pierre Lhomme. Non, c'est Charles Beach. Oui, c'est Pierre Lhomme. Oui, Pierre Lhomme, oui. C'est Pierre Lhomme, Charles Beach. Pierre Lhomme, c'est le grand chef opérateur du cinéma français. Et Charles Beach. Il a fait son service militaire avec moi. Ah, d'accord. Donc, on s'est connus au service militaire. Il y avait De Broca qui faisait son service militaire avec nous. Et puis, il m'a dit, il y a des copains de Cahiers du cinéma qui sont très sympathiques, qui vont apprendre le cinéma et tout ça. On est descendu en Arles voir Jules César monté par Jean Renoir, ouais. Avec Paul Meurice, avec Henri Vidal, avec Yves Robert et Jean-Pierre Aumont, et Françoise Christophe et Lolé Bellon. Et je suis monté dans une voiture où on m'a dit « Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, Alain Cavalier et sa femme qui était de Casabianca, et puis Charles Beach qui conduisait et Pierre Lhomme. » On est allé en Arles, enfin, bon, façon, on a vu le spectacle, très bien. Et puis, quand j'ai fini mon service militaire, on m'a introduit, si j'ose dire, au Cahiers du cinéma, qui était à ce moment-là sur les Champs-Élysées, au-dessus du Georges V, ouais. Du cinéma. Et là, j'ai rencontré Claude Chabrol, Éric Rohmer, Donald Valcroze. Ouais. Et ils m'ont un peu adopté. Tu diras, oui, maintenant, ça fait classe, mais à l'époque, ils n'étaient pas connus, en plus. Ah non. Le seul qui était connu, c'était Truffaut. Ouais. Et alors, on se réunissait beaucoup, parce que les parents de Beach avaient
avait un petit café en face. Café de la Comédie. Le café de la Comédie, en face. Je en face entre les artistes de la Comédie française. Et Charles était un peu le ciment de tout ça, parce que ses parents avaient ce petit café de la Comédie. La maman adorait son fils et le cinéma. Donc elle était, le père était alsacien. Alors on avait une table comme ici. On se réunissait, on payait rien, on faisait des sandwichs et de la bière. Et lui, il lisait 3-4 livres policiers par jour. Oui. Il arrivait toujours avec un scénario nouveau. Il y avait plein d'imagination. Mais ce qui est amusant, c'est que on ne doutait de rien. C'est-à-dire qu'on était sûr qu'on allait y arriver. Oui. Sur un nappe à papier comme ça, il m'a mis un jour, moi, Chabrol, le plus grand metteur en scène du monde, on engage Jean-Claude Brialy, le grand acteur du monde, pour tourner. Je cherchais l'erreur. J'ai quitté l'Anjou maintenant. Vous êtes où maintenant ? On est au bord de la mer. C'est ma femme qui a voulu être au bord de la mer. J'adorais l'Anjou, mais... Sa femme a une grande influence sur lui. Oui, mais ça ne me gêne pas. C'est-à-dire qu'elle aime bien changer tous les 15 ans. Et comme j'ai trouvé chaussures à mon pied, j'aime mieux qu'elle change de maison que de changer de mec. Alors, je marche dans le coup. Je suis le seul mec au monde qui réussit à quitter ces femmes sans jamais qu'elles demandent de pension alimentaire. Ah ouais. Elles étaient tellement contentes de me voir tourner. Vous avez combien de femmes, Claude ? Beaucoup ? Trois. Non, il a été très sage, au fond. C'est bien, trois. Normal, hein. Mais c'est le genre fidèle, lui, hein. J'ai eu trois épouses, oui. Mes coups de canif, ça se compte sur les doigts d'une main. De deux mains. Oui, votre truc, c'est plutôt la bouffe, vous, hein. Oui. Hein? C'est vrai que vous choisissez les tournages en fonction des restaurants. Non, c'est pas vrai, quand même. Il aime bien quand il y a un truc J'aime mieux que... Bon, comme je tourne souvent en province, que l'équipe, elle vient comme ça, hein. Ils quittent leur famille, ou bien la famille les accompagne, mais enfin, ils quittent leur chez eux. Si, en plus, il n'y a pas un endroit dans le coin où ils peuvent manger correctement, et ils font la gueule au bout de 8 jours. On attendait près de Dinan, c'est des Dinard ou Dinan, je ne sais jamais. Lavardin, c'était Dinan. Dinan. Il avait trouvé un petit hôtel très simple, qui était une pension de famille, où le monsieur était merveilleux, un grand cuisinier. Et moi, je me souviens, le soir, on rentrait du tournage, tu sais, on est un peu fatigué, tout le monde, on attendait 7-8 heures, on avait une petite heure de route. On dînait, à la fin du dîner, avec Jean Poiret, qu'est-ce qu'on va manger demain ? Ils faisaient leur menu, entre deux chansons d'opérette, parce qu'ils étaient champions de... Opéra aussi. Vous chantez de l'opéra ? Ah bon ? C'est mon grand vice. Alors il faisait avec le chef. Pardon. Tout à l'heure au dessert. T'as raison. Parce que là maintenant c'est un peu tôt. Et alors il faisait un dîner, il préparait un menu, on vient de bouffer comme des chancres, on avait bien mangé, on avait bien bu. On faisait le menu le lendemain. Le menu pour le lendemain. Oui, oui. Et le lendemain matin, au petit déjeuner avant de partir, il corrigeait 2-3 choses. Pour te dire, les deux c'était les vins. Il était terrible, Quinton, il s'appelait, je crois. Parce que quand on se disait, bon, aujourd'hui, on ne va pas bouffer chez Quinton. Alors, on sortait pour aller tourner. Il était à la porte. Il dit, alors, on vous voit ce soir. Alors, on dit, on ne sait pas. Il dit, parce que j'ai quand même 2 paires de rôles. Parce que je vais en perdre mes paires de rôles. Bonsoir. Oui, c'est Thomas et Marie-Amélie. Au 4e étage, s'il vous plaît. Merci. Non, mais t'inquiète pas, de toute façon, là, ils parlent de tous ces sons. On les écoute, on se régale, c'est tout, tu vois. On les écoute, on n'est pas obligé de se mettre en avant. Ouais. Non mais c'est vrai. Bonsoir. Bonsoir. Je vous en prie. Bonsoir. C'est joli. Vous voulez me confier votre manteau ? Vous voulez laisser votre guitare là ? Je veux bien. Merci.
C'est un peu lourd. Ici. Vous êtes attendu à la cuisine d'abord. Bonsoir. Tiens, voilà les enfants. Bonsoir Thierry. Ça va ? Ça va. Un peu de jeunesse. Bonsoir Claude. Salut, jeune homme. Comment vas-tu ? Un petit peu de vin. Gilles. Oui. Le vieil, est-ce qu'on va bien ? Il est en Corse. Bon. Assieds-toi, Marie. Ça va, mon fils ? Asseyez-vous, les enfants. Allez, venez, les enfants. Venez, venez, vous prenez vos grands-parents. Marie-Amélie. Bon. Marie-Amélie, c'est joli, Marie-Amélie. C'est la sœur de Mathilde, la sœur d'Emmanuel. Ah, ah, c'est la plus petite. Ah, c'est la troisième. Alors, il y a un petit mélange. Il y a un côté Emmanuel, ça c'est évident. Alors, on a les yeux d'Emmanuel. Voilà, oui, c'est ça. Et mais il y a une espèce l'insolence de Mathilde. Il y a une espèce de mental à la Mathilde. Ouais. Et alors son nom de scène, je connais mieux Mathilde. Son nom de scène, la fin d'album, son nom de scène, c'est Marie-Amélie, pas saignée. Oui. Mais c'est pas du tout parce que je voulais pas que. Non, parce qu'il y en avait déjà trois. C'est parce que je trouve que dans la chanson, c'est super d'avoir un prénom. Ouais. Tout simplement. Comme Zazie, comme. Voilà, Karen Anne. Ouais. Bon, c'est Karen Anne Zedel, mais on dit Karen Anne. Ouais. Et Marie-Amélie, j'aime bien. C'est joli, Marie-Amélie. Marie-Amélie Seignée, c'est trop long. Ouais. Voilà. Ah oui, t'as vraiment le regardé. Alors, c'est très marrant. L'autre jour, j'ai rencontré Laura Smet. Et je discutais avec elle. Et alors, il y a des moments, je revoyais sa partie Nathalie Baye, d'autres moments, sa partie Johnny Hallyday. Et c'est génial, c'était comme un morphing, tu sais. C'est comme, les trucs lentaculaires, là, c'est tu regardes comme ça. C'est d'un moment, tu dis, c'est Nathalie, ah non, c'est Johnny. Bah, lui aussi, on voit. Oui, c'est pareil. Lui ressemble à son père. C'est pour rien. Ouais. C'est un cadeau, ouais. J'ai rien fait. C'est venu tout seul, tu vois. Dis-moi, alors, tu aurais pu tomber plus mal. Enfin, quand même. Dis-moi, t'as vu la pub, tes parents, la pub qu'ils ont fait pour la Lampe Berger, quand même. Mais jamais, dis-moi. J'ai appris ça. Heureusement que tu l'as pas vu, mon garçon. Alors, t'es content, ils sont réconciliés. Je savais pas qu'ils avaient fait une pub. Ils ont fait une pub pour la Lampe Berger, si tu veux. Dire que Françoise, qui est tellement coincée, elle est tellement coincée, ta mère, que t'imagines le tournage a dû être une horreur, parce qu'au lieu d'arriver, de le prendre cool, parce que moi, je suis Capricorne, quand même. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même pour être un peu plus décontracté dans la vie. Elle, non. Donc, si tu veux, t'imagines la pub, le tournage de la pub, elle a dû arriver le matin comme ça et tout. Et là, au moment où ça tourne, et tu vois la pub, elle est comme ça. Oui, tout va bien, oui, c'est bien le Lamberger, c'est formidable et tout. Tu es Capricorne et les Capricornes sont coincés. C'est que ça fait tomber les noms. Alors, qui c'est qui t'écrit les chansons? Il y a Benjamin Biolay qui t'a fait une chanson. Il y a Benjamin qui m'a fait trois chansons. Il y a Armengo qui m'a fait trois chansons. C'est bien, j'adore les deux là. J'ai fait des textes aussi, j'ai écrit une chanson où il a fait la musique. Il y a Jean-Claude Vanier, une reprise des années 70 en Alabama. On ne choisit pas les plus mauvais. Absolument. Il y a Daniel Seff, que j'adore. Il y a Arnaud Garou, notre pote, qui m'a fait des textes, qui a fait Mademoiselle avec toi. Et moi, qui ai fait trois textes. Et puis, il joue, non ? Thomas ? Ben non, finalement, non. Dans l'album, il devait jouer, puis en fait, ça ne s'est pas fait. En fait, on s'est rencontrés parce que je suis ami avec Vincent qui... Qu'est-ce qu'il est par rapport à toi ? Mon manager. Ton manager. Ouais. Et il cherchait un guitariste talentueux. Ouais. Et donc, je lui ai conseillé. Il m'a proposé d'ailleurs de jouer avec toi et tout. Je disais, c'était un peu compliqué pour moi, j'avais un autre truc. Bon, et je lui ai présenté un ami à moi. C'est comme ça qu'on s'est connus. C'est un vrai du tronc. Plutôt que de faire le boulot, il présente un ami à lui. J'ai dit non, j'ai dit pas moi. Qu'est-ce que tu faisais avant ? Qu'est-ce que ça fait jusqu'à maintenant ? Moi, j'ai grandi. Je suis devenue une. J'étais adolescente super longtemps, en fait. J'étais adolescente. Ouais, moi, le temps, pour moi, a beaucoup d'importance. J'ai besoin de temps. Je regardais. Tu étais la dernière de la famille. J'étais derrière la porte. T'es la chouchoute, alors. Ouais, voilà. Je suis hyper la chouchoute, je suis hyper protégée. Je suis toujours été. Il y a Emmanuel qui est vraiment une maman pour moi. Et puis Mathilde, c'est aussi une maman, mais une maman où je déconne un peu plus. Enfin... Oui. Tu préfères laquelle? J'aime les deux. D'un grand amour. Les deux. Ouais, non, terriblement. Il y en a une que tu préfères quand même. Non, sincèrement. Bah non, j'aime les deux terriblement. T'as des parents super aussi. T'as des parents super. J'ai des parents extraordinaires. Moi, je les connais bien, ils sont gentils. Un papa, génial qui écrit d'ailleurs, on a co-écrit. Qui fait des photos, qui écrit, qui est un artiste. Qui est un mec. Et puis la maman, c'est une copine pour ses filles. Et puis, quand même, la famille Seignée, c'est quand même quelque chose. J'ai connu le grand-père, moi. Ah oui, voilà, c'est ça. Je connais la tante, j'ai connu tout ça. Louis Seignée. Tu t'imagines quand même le. L'avare en noir et blanc à la télé avec Louis Seignier. Ouais, c'était énorme, ça. Il était magnifique dans Le Bonjour Gentilhomme. Ouais. Je vais vous dire, moi, il y a un truc où il était fantastique et peu de gens l'ont vu car il s'est fait massacrer et c'était une honte, c'est dans Tartuffe.
Ah oui, oui, oui. Du verre à Thomas. Il y a un vrai plaisir. Tu sais ce que je fais? Moi, je suis ravi. Parce qu'il y a un vrai plaisir, c'est quand t'es avec des gens. Des vieux. C'est agréable. Hey, je veux dire, c'est agréable, les vieux. Ça, tu te souviens, oui, ah bah oui. C'est... Et je commence à y prendre goût. Et ça, je me dis, c'est inquiétant. J'adore. C'est inquiétant parce que je commence à prendre goût à raconter des vieilles histoires. Moi, j'adore depuis toujours. Je trouve que c'est dommage. Moi, j'ai fait partie de la nouvelle vague. Et quelquefois. La nouvelle vague, bonsoir. N'oublie pas qu'on a fait partie de la nouvelle vague. La vieille vague. Mais il n'y a pas une actrice américaine qui a lancé un message pour vous? Pénélope Cruz. Voilà, mon cher enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, Pénélope Cruz. Ah, vous n'êtes pas au courant? Non. Pénélope Cruz. Tu nous dis rien. Pénélope Cruz a dit, dans Les Petites Lucarnes, Claude, avec son petit accent délicieux, la charmante, elle regardait comme ça, Claude, je t'en supplie, appelle-moi. Non. Alors, je vais l'appeler, mais je n'ai pas son numéro de téléphone. Mais je ne veux contacter Pénélope Cruz que quand je lui dis, tiens, Pénélope, et ça, c'est de la merde. Sinon, lui dire, Pénélope, j'ai... Ça t'excite encore, les filles, tout ça, toi, à ton âge. Le cinéma, c'est la libido, c'est heureusement. J'ai toujours été excité par le sexe faible, toujours. C'est vrai. Mais en même temps, c'est vrai que je ne me balade pas. Pas malade, oui, pardonnez-moi, je ne me balade pas la queue à la main comme ça, comme beaucoup, comme certains de mes confrères que je ne citerai pas, à l'exception de. Bonsoir. Bah. Au quatrième étage, s'il vous plaît. J'ai pas besoin d'être amoureux, simplement je les aime. Mais je suis pas amoureux d'elle, je suis amoureux de ma femme. Je ne fiche pas en retour. Ah oui, alors t'as une drôle de journée avec tout ça. Ouais. Surtout avec l'heure supplémentaire. Vas-y. T'es pas aux 35 heures? Oh. Messieurs, bonsoir. Monsieur Brasseur. Ça va bien? Bonsoir, monsieur. Venez par ici, messieurs. C'est par ici. Nous passons d'abord par la cuisine. Bonsoir. Bonsoir. Salut, Patrice. Ça va? Salut, Claude. Ah, monsieur Patrice. Bonjour, mon petit Patrice. J'ai failli ne pas venir parce qu'on m'a convoqué pour aller recevoir son prix. Il a reçu aujourd'hui le prix d'interprétation. Qui? Mon fils. Alexandre, ça s'arrange. Toutes les occasions sont bonnes. Toutes les occasions sont bonnes. Le prix d'interprétation. Parce que la famille Saigné, c'est bien, mais la famille Brasseur, c'est pas triste non plus. Attention. Il y a du lourd autour de la table quand même. Il y a quand même la dynastie Saigné, la dynastie Brasseur. La dynastie Brasseur, tu sais que c'est incroyable. Au 19e siècle. Écoute, il y a Albert. Moi, je me souviens d'Albert. Albert Brasseur, enfin je me souviens, je m'en souviens pas parce qu'il était mort bien avant que je naisse. C'était quand Albert Brasseur? Albert Brasseur, c'était début du siècle. Donc les Brasseurs, ça a été de génération en génération, c'est absolument. 1820. Et puis il y avait Germaine. 1820. Germaine, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère. Oui. Non, c'est formidable, c'est formidable. C'est formidable, ça c'est un des cas. Ils sont... Oui, bonsoir. Oui, quatrième étage, s'il vous plaît. L'invité, c'est le dîner de con. Ah, mais il y a. Il y a un peu. Ouais, non. Mademoiselle, monsieur, bonsoir. 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 Vous me confiez votre manteau? Ah, moi, j'avais fait une émission avec Jean Carmet. On avait monté un gag tous les deux. C'est-à-dire, je l'interviewais, puis je faisais semblant de lui dire un truc qui le fâchait. Il se barrait, et je faisais comme un bouchon. Il revenait. Comme vous voulez. Ouais, comme ça. Vous gardez votre sac. Ouais, je vais garder mon sac. Passez d'abord par la cuisine. Merci.
Pascal. Bonjour, oh là monsieur. Là. Il était venu à Gênes comme ça. Il était à la maison, on avait bien mangé, on avait bien bu, et puis bonjour. Il repartait. Et quand en repartant, il m'a fait salut comme ça, et il m'a fait. Ah, c'est bien. Bon, on passe à table, mes enfants. Oh là là, tu es somptueuse. Oh, bah regarde l'autre. Ça le reprend. Eh oui, ça le reprend. C'est terrible, hein, tu sais. L'hétérosexualité, c'est une déviance épouvantable, je te jure. Oh, mais écoute. Bon alors, toi, je pense que tu es là. Ça, là, c'est quand t'étais beau, là. Tu vois? Ouais, ça c'est. Bah oui. Ça c'est quand j'étais tout petit. Oui, on voit ton cul là, viens. Et ça c'est mon fils, regarde comme il me ressemble. Il est beau comme tout. Il est beau ce petit garçon. Il connaît rien, mais c'est une inspiration japonaise, non? Ouais. Oui, enfin ça fait un peu. Mettez-vous là, chérie. Alors là, t'as connu les bonbons. Les 7 péchés capitaux, parce que dans les 7 péchés capitaux, il y a à la fois Jean-Claude Boyali et Claude Brasseur. Et voilà. Et la gourmandise aussi. Et voilà. Alors, la meilleure chose que j'ai mangée, je crois que c'est la première fois... Attends, dis pas de cochonnerie. Non. Je crois... Non, c'était pas la meilleure, ça. Non, je crois que c'est la première fois où j'ai mangé le saumon à l'oseille de Trois Gros. Une spécialité qui est la salade de pois chiche. Ah là là. Ah oui, ça j'aimerais ça, bien. Ça, je suis sûr que ça vous plaît. Ah, j'aime bien, avec des oignons crus dedans. Il y a un plat que j'adore quand je vais au restaurant. Mais vous ne vous foutez pas trop de ma gueule. L'œuf dur mayonnaise. C'est bon, l'œuf dur mayonnaise. Ah, j'adore ça, mais les vrais chips, c'est bon. Mais c'est vrai. Ça, c'est rien. Les vrais chips, c'est bon. À Bruxelles, voilà. Les vrais chips, c'est bon, je te jure. Ah, j'adore le couscous. Ah oui. Ça dépend duquel. Oui, c'est ça. Un bon steak, quand on aime et quand c'est bon, il n'y a rien d'inégal. Oui, mais la purée, c'est bon. Aussi. Et la semoule, pour arriver en fait à ce que chaque légère, grain se détache et soit pas en pâté, comme ça, il faut... Je crois que là, vous avez tellement faim que vous aimez toutes les bouffes, là. Gilles, donne-leur à manger, sinon ils vont me manger, moi. Ça, c'est beau, hein, je vais cacher. C'est une petite boîte de... Regarde comme c'est beau. Espèce de petite boîte de sardines, regarde comme c'est beau. Ils ne savent pas ce que c'est que des lisettes. Non, c'est très joli. C'est des petits filets de maquereau en escabèche. Ah, ouais, encore des compliments. Tu connais les... Voilà, hein. Tu sais qu'on va se marier, tu es con. On va se paxer, disons. J'ai fait mon droit avec Le Pen. Non, il était très marrant à l'époque. Il montrait... Incroyable. Il était avec Le Pen. Il dit, mais Le Pen, je comprends pas qu'on le prenne au sérieux, parce que c'est un vrai connard. Ah ouais. Non, c'est pas un vrai connard. Ouais. Non, non. Moi, j'étais bien à l'école avec Messrine. C'est vrai. Il a des qualités. Il avait des qualités, Le Pen. Il avait en particulier une qualité de fou la merde absolument fantastique. C'était un mec qui n'hésitait pas, il passait devant un flic, il posait son pantalon en hurlant « Salut héros à Fourragé Roche » parce qu'il ne pouvait pas supporter que les flics qui avaient été absolument dégueulasses pendant toute la guerre et une fourragère rouge parce qu'ils avaient fait deux jours de fausses barricades au moment de la libération de Paris. Bon, c'était assez logique. Bon. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est un quoi. Bon. Alors, l'ennui, c'est que le côté anard a été bouffé par le côté Mais alors maintenant, la preuve, c'est que même sa fille se dit il va trop loin. Bon. Ouais, ouais. Mais Le Pen, ça n'est pas bien, c'est mal, il faut le combattre, il faut pas de mal, mais ça n'est pas malsain. Alors que il y a des mecs qui en font moins, qui sont moins sains, qui sont malsains. Je ne les citerai pas parce que bon, mais ils sont faciles à voir. Bon, enfin, qui sont malsains parce que ils prennent les gens pour des cons. Le Pen, il n'a jamais pris les gens pour des cons. Il sait qu'il est con lui-même. Donc, t'étais où à l'école avec lui? Non, c'était à la fac. À la fac, à Assas. C'était déjà un tribun. Ah oui, oui, il parlait. Non, c'est un tribun formidable. Ah oui, oui, il était. Enfin, un tribun formidable. Il arrive à poser des idées. Non. Qu'on combat, mais quand tu entends les gens de droite ou de gauche qui parlent,
Lui, il parle bien. Oui. Oui. Je me souviens d'avoir assisté à un... Il a un bon bagot et une certaine culture. Et je me souviens d'avoir assisté avec Polanski un débat entre Marchais et Le Pen. Ouais. Alors, évidemment, j'ai tant doute que Robin et moi... C'est échec maintenant. On était plutôt bon. Ouais. Et Robin faisait une analyse sur le plan de l'art dramatique et il me disait, tu vois, ce qu'il y a de dramatique, c'est qu'on est totalement contre ce que dit Le Pen. Mais on sent que Marchais ment. Et on sent que l'autre, il est totalement sincère et totalement honnête. Enfin, totalement sincère. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec quelqu'un qui est sous prétexte qu'il est honnête. Et je te jure que Marchais, ça ne tenait pas la route. Alors, vraiment, je crois que c'est le contraire. Non. En l'occurrence. Comment ? En l'occurrence, je pense que c'est exactement le contraire. Marchais était vraiment sincère et honnête. Alors, Le Pen. Mais non, c'était pas possible parce que c'était à l'époque où il fallait descendre le communisme. On disait, mais en Russie, il se passe rien, tout va bien. Vous les partagez, ils étaient insincères tous les deux. Car Le Pen n'était pas particulièrement sincère. Et Marchais n'était pas sincère non plus, parce que moi, je veux qu'on m'explique une fois pour toutes d'où venait l'accent de Marchais. L'accent ? L'accent de Marchais. Je voudrais savoir... Bon, tout le monde reconnaît que Marchais avait un accent. Certes. Bon, je voudrais savoir d'où vient cet accent, c'est tout. Je connais assez bien les accents français. Ouais. Marchais se disait originaire de Normandie. Ouais. Ça, c'est pas l'accent normand. Je suis extrêmement intéressé. D'où venait l'accent de Marchais ? Tu penses que c'est les années qu'il a passé à bosser chez Messerschmitt en Allemagne qui lui ont donné un accent ? Non, je crois pas. Ah, il faut pas faire ça. Je crois sais, sincèrement qui venait de Russie. Que Marchais était un agent du KGB, ça fait plus de doute, Claude. Mais qu'il soit russe. Ben, pourquoi pas ? Ah non, mais pourquoi pas ? Tu crois qu'il n'y a pas des Russes qui parlent français couramment ? Si. Alors... Tu penses que Marchais était russe ? Je pense que Marchais était russe. Parce que je ne m'explique pas son accent autrement. Oui, c'est vrai, t'as raison. Je ne peux pas expliquer son accent. Je ne peux pas. J'ai envie de revoir toutes les questions de Marchais. Je ne peux pas expliquer quelque chose. Mais il est né où, en fait ? Il est censé être né en Normandie. Non. C'est impensable. Je ne m'explique pas l'accent de Marchais. Ouais. Je ne me le suis jamais expliqué. Ah, c'est fort. Putain, d'un seul coup, j'ai envie de regarder toutes ces cassettes. Ah, c'est vrai. Après l'île de Pâques, l'accent de Marchais. Il y a un accent absolument caractéristique. C'était juste dans sa façon de dire El Kabash, en appuyant... El Kabash. Monsieur El Kabash. Laissez-vous, El Kabash. Dans mes petites recherches, je me suis aperçu qu'à l'arrivée, la France avait été assez intéressante pendant entre 40 et 45. Il y a eu, en gros, 100 000 résistants, 100 000 collabos dégueulasses et l'entre-deux se balader. Mais c'est ça. Tristan Bernard, il disait ça. Ils croient qu'ils sont heureux parce qu'ils sont immobiles. Oui, oui. Ils étaient immobiles. Oui, oui. Ces gens, surtout, faisant pas de bruit, nous ont pas remarqué. Et ça, c'est aussi typiquement français. Quand t'as fait l'œil de Vichy, t'as dû voir des trucs infernaux. Ah ben, c'est infernal. Bon, cela étant dit, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que il y avait tout un tas de protections. Il y avait, par exemple, pour les hommes, il y avait Pétain. Alors, Pétain, le héros de Verdun, c'est pas vrai, héros de rien du tout, mais enfin, bon, qu'importe. Ouais, bon, ouais. Pétain, héros de Verdun, etc. Alors, Zarbana, le maréchal, etc. Alors, tout ça, c'était des éléments qui empêchaient les gens d'avancer, enfin, de faire des choses. Quand moi, je me pose toujours la question, oui. Qu'est-ce que j'aurais fait, moi, en 40 C'est la seule question valable qui peut se poser. C'est la question de tous les mondes de 20 ans. C'est la question de tous les Français. À 20 ans, à 20 ans, 40. Non, parce que, est-ce que j'aurais joué ? Sûrement, parce que j'aurais tellement envie de jouer. Mais ça, c'est pas honteux. Ben non, je veux dire, alors donc on a... Est-ce que tu aurais joué devant un parterre de nazis ? Ben, un parterre, t'es obligé, quand tu joues, donc tu jouais, ils étaient là. Mais ça, c'est ce qui est arrivé. Ou alors, il faut sortir de scène et dire, moi, je ne joue pas parce qu'il y a des Allemands. Mais qui c'est qui dit ça ? Les gens comme Pierre Freinet, des gens comme ça, ont été... Maurice Chevalier, ont été emmerdés parce qu'ils ont chanté devant les Allemands. Ils n'ont pas dénoncé personne, ils n'ont pas collaboré en disant « Allez voir s'il y a des Juifs à côté ». Et pourquoi ils ont été emmerdés ? Parce qu'il y en a qui ont dit non. Bien sûr.
à la Libération, il y a un mec qui était inscrit au Parti communiste à ce moment-là, et il s'occupait de l'épuration des comédiens, justement. Il s'appelait Jean d'Arcante. Oui, comment tu dis ? Jean d'Arcante. Et alors Jean d'Arcante, il a eu un truc formidable. Il a dit, soyons raisonnables, on ne peut pas en vouloir aux acteurs français qui ont travaillé même pour la Continentale, jusqu'au mois de novembre 1942. Mais à partir de novembre 1942, c'est inexcusable. C'est la fin du pacte germano-soviétique. Oh oui, non, on croit ça. Pas du tout. La vérité, c'est qu'il avait doublé le rôle du juif sus au mois de septembre 1942. C'est formidable. Marie-Amélie, Thomas, ça vous fait chier, ces histoires? Non, rêve, nous. On s'envoie des petites boulettes. Non, non, mais c'est bien. C'est bien. Tu sais, ce qui est terrible, je vais te dire un truc, c'est que la France n'arrive pas à se sortir de ça. Il y a quelque chose d'inexpiable dans Vichy, dans la collaboration. C'est que, et la France n'arrive pas à se sortir de là. C'est l'être humain qui est en jeu, et pas la France. Il y a un jeu que jouaient beaucoup les surréalistes, et je me souviens que mon père, avec tous ses potes, jouait à ça, qui s'appelle le jeu du scénario. Oui. Ouais. T'as jamais joué à ça, Claude? C'est comment? Ah ben, c'est mais ça. Mais c'est un vrai jeu. Alors, je vais demander à Jean-Claude de bien vouloir s'éclipser. Ah, d'accord. C'est moi. Ouais. Ça tombe sur toi. Je suis au coin. Vous venez avec moi? Bien sûr, monsieur. Tu le connais, ce jeu? C'est quoi ce jeu? Un jeu formidable. Ouais. Le jeu de scénario. Alors, on va lui dire que nous avons inventé une histoire absolument extravagante. Ouais. Il faut qu'il la retrouve. Il va poser des questions à tout le monde. D'accord. La dernière lettre. Oui. De sa question. Si c'est une voyelle, vous répondez oui. D'accord. Si c'est une consonne, vous répondez non. D'accord. Et à partir de là, il construit son... Jean-Claude ! Oui ? Tu peux revenir. Alors qu'est-ce que je fais ? Je fais quoi ? Ben voilà, tu poses des questions, c'est ça ? Alors, Jean-Claude. Oui. Nous venons très rapidement... Oui. D'élaborer une histoire. Il faut que tu trouves cette histoire. Que tu reconstruis cette histoire. Je te remercie de m'avoir choisi. D'accord. Nous t'avons choisi parce que tu es quand même l'être avec le, je dois dire entre nous, l'esprit le plus ouvert que je connaisse. Parti. Oh, ça me paraît un piège. Enfin, non, mais c'est pas un piège. Non, mais quand tu parles comme ça, sérieusement, c'est très mauvais signe. Alors, d'abord, est-ce que c'est une histoire d'amour? Une histoire d'amour, non. Non. Donc, c'est une histoire policière? Oui. Oui. Bon. C'est à Thierry maintenant. À Thierry. Donc, il y a un meurtre? Oui. C'est un homme qui tue une femme ou une femme qui tue un homme? Les deux. Oui et non. En fait, oui, les deux. Oui, non, c'est... Est-ce un homme qui tue une femme? Oui. Est-ce une femme qui tue un homme? Oui. Oui. Il y a du meurtre. Hein, c'est Claude s'y est pas pour rien, tu vois. Je me sens mieux. Tu le connais. Bravo. Il y a une question d'argent? Non. D'argent. Est-ce que c'est une histoire de jalousie? Ah, oui. Oui. Ça c'était. Oui. Ah, tu peux très vite trouver. Oui, d'accord, mais je te remercie. Quel enfoiré. J'adore le coup. T'es bien parti. Hein? Oui. Oui. C'est une femme et une femme qui vivent ensemble? Oui. Ah, j'adore. Oui. Ne pense pas trop, tu m'effraies. Il est bon, là. Il est très bon, vous voyez. Ça devient brûlant. Il y a donc un homme qui vient se mêler de ces deux sœurs d'amour entre ces deux femmes?
Non. 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 Oh non, elle vient pas se mettre entre ses non, 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 ah, non. Elle est con, la saignée. Oh, la saignée, elle a rien compris. Ah non. Alors, elle vient, rien compris. Elle a rien compris. Et c'est un coup de feu ou un coup de couteau? Non, on peut répondre que par oui ou par non. On peut répondre que par oui ou par non. Un coup de feu ou un coup de couteau? C'est un coup de feu, oui. Un coup de couteau, oui. Un coup de couteau, un coup de feu, deux femmes. Pleure pas. La famille, il y a quelque chose à voir avec la famille, avec la province, non? Avec la province, oui. Ah oui, Chabrol, la province. Ah mais non, j'ai pour rien. Oui, mais bon. Les deux femmes vivent ensemble? Oui. Oui. Elles ont eu un fils ou une fille? Non. Une fille. Une fille. Les deux femmes vivent ensemble, ont eu une fille. Et c'est la fille qui tue une des femmes? Oui. Qui tue quoi? Non, qui tue pas l'une des femmes. Non, la fille tue pas l'une des femmes. Ah non, non. Non, non, non. Putain. Je regarde la Vierge Marie qui est là-bas, mais elle ne m'inspire pas du tout. Elle est sublime, la Vierge Marie. Oui, très belle. Je l'adore. D'accord, mais c'est pas le sujet. Ne détourne pas la conversation, Seigneur. Non, mais j'adore les Vierges Marie. Il y a deux femmes qui vivent ensemble. Deux femmes qui vivent ensemble. Oui, mais je vais vous donner la solution. C'est pas l'argent, le... J'ai la solution. Elles se tuent l'une l'autre, elles se suicident, elles se... Elles se tuent, elles se... Non. Pose la question d'une façon précise. Les deux femmes ensemble, elles se tuent pas l'une l'autre. Non, non, non. Elles se tuent pas l'une l'autre. C'est quelqu'un d'autre. Tu me demandes si elles se tuent l'une l'autre. Oui, oui elles se tuent l'une l'autre. Oui, elles se tuent l'une l'autre. Ah, c'est beau, c'est... Oui, oui. Elles se tuent l'une l'autre. Oui. C'est assez beau, c'est ces deux femmes qui se tuent l'une l'autre. Putain. Deux femmes. Oui, deux femmes. Non. Qui vivent ensemble. Qui ont une fille. Qui ont une fille. Une fille. C'est Emmanuel et Mathilde Seigné, non? Non. Non, non. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, deux sœurs. Ah oui, non, c'est pas idiot, non, mais là, oui. C'est, oui, ce qui, oui. C'est sans doute ce qui a inspiré Claude dans, quand il a inventé l'histoire, c'est les deux sœurs, c'est Mathilde et Emmanuel, ça c'est sûr. Mais ça n'a rien à voir. Deux femmes qui ne s'aiment pas. Qui ont une fille. Qui ont une fille, ce qui est quand même étrange. Ben non, 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 plus à notre époque. Il y a de la jalousie. C'est une histoire moderne. Oui, oui, très moderne. Parce que l'une des femmes moderne, est amoureuse, oui, de la fille. Oui. Ah oui. 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 Ah bon, une des femmes est amoureuse de la fille. Oui, oui. Oui, oui. Oui. Ah, ça se complique. Oui, je vais te donner un tuyau. Oui. C'est dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse. Oui. Oui. Ah oui, c'est une histoire sordide. Hein. C'est une imagination tordue, Claude. Oui, pardon. Qu'est-ce qu'il veut, un supplément de crème au chocolat? Tu veux un supplément? Tu veux un supplément de crème au chocolat? Non. Tu veux un supplément de sauce? Oh oui. T'as trouvé? Non. Mais les deux filles. C'est Mathilde et Emmanuel? Oui. Mathilde et Emmanuel, et alors? Mais c'est leur histoire. Mathilde, oui. Emmanuel, oui. Mais saigner, non. Bah, oui, Emmanuel et Mathilde. Est-ce que ça fait chier quelqu'un si je fume aussi un... Non, ça... Oui. Si je fume un cigare, ça te fait pas chier? Non. Alors dis-moi, toi. Alors, on va te dire la blague. Ça peut durer des heures. Toutes les questions que tu poses, quand la dernière lettre de ta question est une voyelle, on dit oui. Quand la dernière lettre de ta question est une consonne, on dit non. Oui, donc ça peut durer six ans. Six ans. Oui. C'est joli comme idée. Oui, oui. Dans la tourmente, on ne sait pas vraiment. Dans la tourmente, on ne sait pas. Une belle voix, dis-moi, la garce. Trop insolente, on fait l'enfant. Indifférente à tout ça. C'est très pro, dis donc. En plein orage, dis donc, on ne sait pas vraiment. En plein orage, on ne sait pas.
plein naufrage, on voit les non, mais c'est bien, là, c'est bien. Et les rivages d'autrefois. C'est bon. Encore merci pour les fleurs. C'est pas mal, tu vois. Elle est dessous. Non, mais c'est... Je partirai c'est pro. Tout à l'heure. C'est bien. Sans rien du tout. Sans amertume et sans... Mais sans heure, tu changes. Sans rien du tout. Petit travail. C'est vachement bien. C'est joli. Ah ouais. C'est fou en une seconde la personnalité. Oui, oui. Tout de suite. Hein, ouais. Non, non, c'est vraiment très bien. Marrant, c'est que c'est très déjà mature, abouti, adulte. Oui, non, c'est pas juste, ça fait pas débutante, rond. Quoi. Ouais, c'est rond. Je dirais même, tout, je ouais, dirais même, ouais. Ces vices-là. T'as appris comment ça ne s'apprend pas. Moi, je dis que le chant, c'est les voix intérieures qui deviennent extérieures. Ouais. Après, quand on fait, j'ai fait pas mal de scènes. Après, il faut comme un danseur travailler pour que la voix tienne. Puis le plus bon cours de chant, c'est la scène. Ouais. Voilà, mais. C'est vrai que tu as vécu avec Christophe ? Je l'ai rencontré. Ça a été une rencontre pour moi, comme j'ai rencontré beaucoup de gens. Christophe, c'est les mots bleus ? Ouais. Ah oui. Oui, au quatrième étage, messieurs. Merci. Merci. De recharge. Messieurs, bonsoir. Une petite demi-heure, bonsoir. Enchanté. J'ai lieu. Messieurs, si vous voulez poser vos vêtements, c'est à côté. Bonsoir. Salut, ça va ? C'était pote, Thomas. Eh ben oui. Ah, c'était pote ? Oui, c'était des amis. Ses amis. Ah. Ses amis, les amis. Soyez le bienvenu. Truffaut était juif. Il s'appelait Lévi. Oui, oui, Truffaut était juif. Oui, oui, François était... moi, quand je l'ai connu, il était, lui, vraiment très à droite. Il était, alors, je cite des gens de droite de l'époque, qui étaient Jacques Laurent, bien sûr, mais Nourricier, tout ça, qui ont... Et Druon. Tout ça, c'était, c'était de la vraie droite. Hein, Truffaut était de droite. Oui. Il n'était pas très pharaon en 68. Moi, je les ai pas vus très pharaon en 68. Ah bon. C'est là où je me suis aperçu que finalement... moi, le vieux réac, c'était moi le plus à gauche, parce ouais. qu'il se retrouvait étrangement hésitant. Mais est-ce que Truffaut, par exemple, quand tu discutais avec lui, est-ce qu'il disait facilement qu'il était juif ou... Mais non, mais il ne le savait pas à l'époque. Il l'a su très tard. Ouais. Parce qu'il l'a su quand il a connu son père, quand ouais. il a su qu'il était son père. Son père était un dentiste juif de Mulhouse. Il s'appelait Lévi, en fait. Oui, oui. Sa mère avait ensuite épousé... un type qui était un peu bizarre, un peu, je l'avais rencontré une fois, un peu simple, un peu gentil, un peu... Qui s'appelait Truffaut. Qui s'appelait Truffaut. Et qui, et était, qui a reconnu, il a reconnu l'enfant qui était, oui, oui, bien sûr, qui était alpiniste. Qu'est-ce que tu savais faire ?
c'est génial. C'est mieux que Michael Jackson. Zéro. D'accord. Ah. C'est vraiment. Alors nous, on se retrouve bientôt à Saumur. Dans 10 jours. Je pense, ouais.
C'est pas toi sûr, aussi, mais... on te retrouve à Saumur. Non, moi, je m'en fous. Je joue à Brest et tu m'envoies une voiture. On t'envoie une auto. Tu m'envoies une voiture à Brest. Et tu viens nous voir. Et alors? T'es un ange. Ah non, mais si. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.